Bah, mes très chers amis, bonjour. Voilà, on se retrouve. Regardez mes beaux petits haricots verts. On a semé ça il y a une grosse semaine. Regardez, ça sort du pot là même. Donc, je vais les mettre dans la serre. Alors surtout, on fera gaffe. Le 25 avril, on va les semer en pleine terre. Mais là, ce qu'on fait en serre, c'est essayer de gagner du temps. Mais seulement, c'est comme le lait sur le feu, c'est-à-dire à la première gelée, ça clame, c'est foutu. Donc, on va les semer, on va les repiquer plutôt, on va les semer, mais au 25 avril, en pleine terre, c'est-à-dire à la Saint-Marc, comme faisaient tous les anciens. Alors ici, bon, rien de plus facile, vous connaissez mon procédé, c'est toujours le même. J'y mets toujours, je vais les semer à peu près à ce niveau-là. Un peu de potasse, c'est ce qui me donne le goût de mes légumes. Alors c'est de la cendre de bois, c'est toujours le même principe. Et je vais tout mettre. Oh, voilà, c'est bon. Alors regardez aussi mes superbes courgettes. Ouais, vraiment, quasiment en une semaine, tout est venu. Alors ça, c'est de la graine fait maison, comme les haricots verts. C'est de la graine fait maison. Voilà, donc les amis, rien de plus facile. Je vais commencer à l'endroit où le smartphone devrait fonctionner à peu près bien. J'enterre, je fais un petit trou, la valeur du godet. Ça, c'est un petit peu plus délicat. Hop, allez, on y va, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Voilà, hop. Espacement à peu près une dizaine de centimètres. C'est parti. Allez mes petits. C'est parti. Regardez ça, les superbes racines là. C'est magnifique. On y va. On est hyper délicat avec eux. Hop, c'est parti. Voilà, j'ai plus besoin de toucher. C'est fini. Donc, alors ici, je vais vous dire, il y a toujours eu dans la serre, j'y mets abondamment, vraiment abondamment, plein de aussi bien de potasse que de compost, il n'y a absolument aucun engrais chimique, rien du tout. Voilà, ici, voilà, ça sera le petit dernier parce que je vais quand même pas vous saouler, vous faire toute la démonstration. Ensuite, après, les courgettes, ça sera pour l'autre jardin, les courgettes. Ça sera pour l'autre jardin, je suis un tout petit peu décalé. Voilà, à peu près une dizaine de centimètres, vous voyez, je fais ça à l'œil nu, à peu près, on n'est pas là pour faire des mesures. De géomètre, Voilà les amis. Alors qu'est-ce que je peux vous faire voir? Ben, on va vous faire voir un petit peu tout ça de plus près. Alors vous voyez, regardez comment ils sont beaux, Ils sont déjà bien lancés. Alors ça, voile de forçage obligatoire. Et n'oubliez pas, la Saint-Marc, le 25 avril, c'est là qu'on commence à semer en pleine terre, Alors regardez nos belles courgettes. Nos belles courgettes. On a fait ça en même temps. Le même jour que les haricots verts, et vous pouvez retrouver ça bien sûr en vidéo. Bon les amis, je vous embête pas plus de plus, Voilà, regardez mes belles salades là, ici, là qui ont été mises au mois de février, je sais plus, au mois de février. Là, j'attends encore un petit peu, On va se régaler avec une superbe échalote là. On va se faire de beaux petits repas avec nos. Alors, n'hésitez pas à donner de temps en temps un petit coup. Là, ça aère la terre. Travailler un petit peu à la main ou alors avec un petit outil, pour dire je vais arroser un petit peu aussi. Eh bien, les amis, je vous dis à bientôt. Un super bon courage à tous. Le plaisir de se retrouver à. Prochainement dans le jardin. Là, bon, après les haricots verts, après les blettes, après les betteraves rouges, là, à la Saint-Marc, on va mettre les haricots verts en pleine terre, il reste les pommes de terre, après on va faire une petite pause quand même, parce que ça n'arrête pas de bosser, Allez, à bientôt!